Bienvenue dans cet épisode 4 où l'on vous emmènera un peu au Monténégro, mais aussi et surtout en Albanie. Ce pays, c'est aussi celui où les routes de Guillaume et Chloé, les tandémistes, que vous connaissez peut-être déjà dans les anciennes vidéos et les nôtres, vont se séparer. Mais comme le voyage à vélo, c'est aussi des rencontres, leur vision et leur témoignage sur le voyage à vélo ponctuera cette vidéo. L'Albanie, c'est aussi le pays où nous avons passé les fêtes, éloignés de nos familles, éloignés dans l'espace certes, mais pas forcément dans nos cœurs. Alors je voulais simplement et symboliquement dédicacer cette vidéo à Anna, ma nièce, qui est née le 6 décembre dernier. En mon absence, et que je ne verrai sûrement que dans un an et demi. Alors Maëlle, prends bien soin de ta petite sœur. Belle année 2021 à tous et bon visionnage. Lance-toi, même ouais. Si c'est sur une semaine, sur deux semaines, sur un mois, avec ce que tu peux comme, comme congé, mais vas-y, et je pense qu'une fois que tu as mordu, tu partiras un an, deux ans, plus. On met les petites chaussettes étanches. On sort d'une période avec un temps exécrable. On a pu trouver refuge à Petrovac dans une petite chambre à 10 euros la nuit. Et on repart enfin aujourd'hui avec un temps mitigé, mais qui sera quand même plus agréable. On voulait voyager à vélo parce que le voyage à vélo, c'est un moyen de découvrir plus lentement les paysages, les pays, les cultures, et c'est un très bon vecteur de communication avec les gens, enfin, d'autant plus en tandem. Nous, on est en voyage en tandem, et quand on est en tandem bien chargé, ça fait toujours sourire ou ça interroge les personnes qu'on croise, et ça crée un contact assez facile là-dessus, donc c'est super sympa. Tu regonfles les pneus là? On a bien voulu essayer mais il n'y a pas d'aiguille. Alors du coup bah on enlève la poussière, on dépoussière comme on peut. À la ferme éco-sociale près de Shkoder qu'on a trouvé refuge pour nos premiers jours en Albanie. On a rencontré Castriot qui a créé ce lieu un peu surprenant. L'objectif principal, c'est de la réinsertion sociale en donnant des responsabilités à des personnes en situation de handicap. Donc des responsabilités assez importantes dans la gestion quotidienne du lieu. Et puis ici, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange pour les familles, pour les jeunes. Donc les multiples activités du lieu, les animaux, la ferme, tout ça, c'est des éléments fédérateurs. Malheureusement, on est le 15 décembre, donc c'est la saison hivernale, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Mais on reste persuadé de l'impact positif, environnemental et social du projet. Donc pour ça, on souhaitait féliciter Castriot et le remercier aussi pour sa grande hospitalité. Parce qu'ici, il y a de nombreux cyclistes qui passent et qui donnent un coup de main en échange de l'hébergement que vous voyez derrière nous. Donc encore merci Castriot. Deux ingénieurs dans des boîtes qui marchent bien. On était dans une routine un peu métro, boulot, dodo, qu'on se commençait à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on voulait faire de nos vies par la suite, et qu'on avait un peu besoin de temps pour réfléchir, et que le voyage, bah, mine de rien, à vélo, on a le temps de penser, peut-être un peu... On voit de jolis paysages et on réfléchit à ce qu'on va faire après. Et on s'est dit, ah non, c'était suffisamment long pour faire une bonne pause et pour pouvoir aller voyager assez loin à vélo. Et une bonne, un bon timing aussi pour que d'un point de vue budget, on puisse voyager sans trop de, sans travailler.
On est entré dans un parc naturel protégé au nord de Durrës en Albanie. Et c'est la première fois qu'on retrouve une piste cyclable pour nous, donc on en profite un peu. On est arrivé à une partie compliquée, un pont dans le parc naturel, mais qui a l'air en mauvais état. Je viens de croiser des pêcheurs qui sont en train de manger de l'autre côté du pont. Et apparemment ils me disent que la route va être compliquée après. Donc même si on arrive à franchir le pont, ce qui va nous prendre longtemps je pense, vu son état, ça va être encore plus difficile derrière. Donc je pense qu'on va faire marche arrière et on va trouver une autre route sans problème. C'était plus compliqué, oui, vis-à-vis de nos familles, de dire on va partir pendant au moins un an, de se couper, pas complètement, parce qu'ils nous suivent un peu sur... Puis il y a toujours la crainte, on était tous les deux en CDI, est-ce que vous allez retrouver du travail en rentrant? Oui, ouais, comment ça va se passer au retour? Est-ce qu'on va retrouver la même chose? Est-ce qu'on veut retrouver la même chose? Je voulais vous montrer ce qui caractérise aussi un petit peu le pays. Ce sont ces bunkers qui sont omniprésents. Il y en a de deux types, je crois. Ceux-là, ce sont des bunkers PZ, beaucoup plus gros, plutôt de commandement. Mais il y a aussi des bunkers QZ qu'on pourra aussi vous montrer, qui sont beaucoup plus petits, qui permettent de faire tenir deux personnes environ. Et en fait, ces bunkers, ils ont été construits entre 70 et 90. Par Oxo, qui a eu une politique de bunkerisation du pays parce qu'il avait peur de l'invasion de pays limitrophes à l'Albanie mais aussi à d'autres pays. Et en fait, tous ces bunkers, ils ont été pratiquement pas utilisés. Ils ont été abandonnés dans la fin des années 80, 90, 91. Et maintenant, ils servent, comme vous pouvez le voir, tout simplement à stocker des parasols, du foin pour les habitants du coin, pour les bêtes notamment. On est le 17 décembre, lundi prochain, ça sera le 21, le solstice d'hiver. Un événement important pour nous les cyclos. Les journées commenceront à rallonger et ça c'est cool. Le soleil se couchera un peu plus tard que 16h30 en ce moment, c'est ça hein ? 16h plutôt en ce moment. 16h, ouais. Et du coup, l'événement sera pas trop loin d'ici. Du coup, on va aller en profiter pour découvrir Tirana qui n'est pas loin non plus. La capitale albanaise, se balader dans les rues. Découvrir un petit peu plus en profondeur la culture et puis aussi commencer à penser à la suite du voyage, peut-être penser à passer la Macédoine, etc. Voilà, on va vers Tirana et on se retrouve là-bas. Faut s'adapter. Ouais, surtout en ce moment avec le contexte actuel. On avait prévu un trajet, du coup on est obligé de tout remettre en cause parce qu'il n'y a rien qui est possible en l'état actuel. Mais on vit des trucs incroyables quand même, on voit des paysages magnifiques qu'on n'avait pas prévu de voir au début. On rencontre des gens super intéressants qu'on n'avait pas du tout pensé rencontrer. Et c'est la force des choses, l'adversité qui fait qu'on s'adapte et on rencontre... Et le voyage reste tout aussi intéressant et tout aussi enrichissant, même si c'est pas ce qui était prévu au début. C'est quoi ce bordel? Ah voilà, un peu de calme. On est enfin rentré dans Tirana. C'était pas facile avec les vélos, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de voitures, le code de la route un peu anarchique. Mais ici, on est sur la place de Skanderberg, beaucoup plus calme, piétons et tout, on profite, c'est vraiment sympa. Juste devant moi, d'ailleurs, il y a Skanderberg, donc il est reconnu héros national pour sa résistance face à l'Empire ottoman. Donc, on va découvrir son histoire un peu plus en détail. À côté de moi, il y a l'opéra, derrière moi, il y a le musée de l'histoire nationale. On va pas s'ennuyer à Tirana, je pense. There's a lot of silence now. We don't know how to break it.
so much we don't wanna say. But baby, I can't take it. Maybe there's a solution to our tongue-tied resolution. Alors, on a découvert qu'en Albanie, la majorité de la population était musulmane. Donc, si je ne me trompe pas, il y a environ 60 ou 65% de la population musulmane. Et ensuite, il y a une deuxième religion, le christianisme. Donc, il y a 10% de chrétiens catholiques et 10% environ de chrétiens orthodoxes. Donc, il y a l'église orthodoxe juste derrière nous, on va aller jeter un coup d'œil. Et ensuite, tout ça, en fait, ça cohabite vraiment bien dans la ville. Ici, à Tirana, par exemple, on voit beaucoup de mosquées, beaucoup d'églises catholiques, beaucoup d'églises orthodoxes. Et voilà, tout cohabite super bien, donc c'est vraiment top. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant le bunker personnel d'Eva Rocha, le dictateur communiste des années 70. Quand on parle de bunker personnel, c'est un grand mot, hein, parce qu'en fait, il a voulu le construire au début des années 70, donc en 72, pour se protéger en fait, des invasions. Potentiel, il s'était un peu fâché avec beaucoup de pays dans le monde, donc c'était sa grande campagne de bunkerisation. Ce bunker-là, il est vraiment, vraiment énorme, il n'a vraiment jamais servi, sauf pour des essais militaires. Aujourd'hui, il est transformé en musée qui retrace en fait toute l'histoire de l'Albanie, donc depuis 2016. Le musée est vraiment top, si vous venez à Tirana, n'hésitez pas à le visiter. Et puis comme on vous disait, c'est un bunker parmi les 171 000 qu'il a construit à travers le pays. On en a vu pas mal dans le nord du pays, mais on risque aussi d'en croiser beaucoup dans le sud. On verra ça par la suite. J'aurais mis se connaître parce que on s'adapte certes, mais on a des fois des situations difficiles et finalement ça aussi on apprend pas mal à se connaître entre nous deux, même se connaître soi-même sur ses capacités physiques ou sur des conditions météo qui peuvent être pas forcément toujours top. Et on grandit finalement à travers ça. Allez, on est prêt pour jouer, hein. Et bienvenue à Durrës, une des plus grandes villes portuaires de l'Albanie. C'est ici qu'on va fêter Noël. On est loin de nos familles, mais on va pas le fêter tout seul. On va le fêter avec Guillaume et Chloé. Et pour ne pas oublier nos habitudes, on a décidé de se faire des petits cadeaux. Donc des petits cadeaux utiles qui rentrent dans les sacoches, ou alors des petits cadeaux dématérialisés. Pour vous donner une idée, là, Bastien, il est en train de faire un petit reportage vidéo pour Guillaume. Donc voilà, ça c'est un exemple de petits cadeaux qu'on va leur faire. On va découvrir tout ça ce soir pour Noël. Comme à chaque arrêt long, et là c'est le cas parce qu'on est resté plus de 3 jours avec Chloé et Guillaume pour fêter Noël. On essaye de nettoyer les vélos de fond en comble, vérifier que toute la petite visserie est bien vissée, qu'on n'en a pas perdu. Surtout nettoyer la transmission parce qu'un vélo propre, avec une transmission propre, ça tient plus longtemps. On n'a pas besoin de changer les chaînes et ça permet d'avoir une longévité des pièces intéressante. Voilà, on est en Albanie, c'est quand même l'hiver. Bien qu'on soit plus au sud, il pleut et les chemins sont bien boueux. Ici, voilà, il y a peu de routes goudronnées, donc les vélos prennent assez cher. Il faut essayer de les réparer assez souvent. On vérifie aussi que les petits accros, notamment sur les pneus, ne bougent pas. Là, apparemment, ça a l'air d'aller. Je l'avais renforcé à Strasbourg quand ça m'était arrivé. Il n'a pas l'air de bouger, donc c'est bon. Le vent
est juste horrible aujourd'hui. C'est pourtant plat, mais on dépasse pas les 9 km/h. C'est un peu agaçant quand même. Nous sommes le 3 janvier, nous sommes toujours en Albanie, on est à Vlora, près de la mer. C'est ici que nous avons passé le réveillon avec Bastien, le réveillon du Nouvel An. On ralentit volontairement le rythme ces derniers jours parce qu'on attend les préconisations du gouvernement grec. Est-ce que le confinement local va s'arrêter? Est-ce que la frontière entre l'Albanie et la Grèce va rouvrir? Nous, on reste motivés à passer en Grèce. Donc si la frontière n'ouvre pas, on va devoir faire un gros détour par la Macédoine et la Bulgarie. Donc c'est un peu le suspense du moment. Est-ce qu'on va passer rapidement en Grèce ou est-ce qu'on va devoir faire ce gros détour par les montagnes qui culminent parfois à 1500 mètres d'altitude. Donc en janvier, on risque d'avoir un peu de neige. C'est l'affaire à suivre. On verra ça dans quelques jours.